Bonsoir, 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 très chers amis. J'espère que tout se passe bien chez vous. Eh bien, oui, il est à nouveau l'heure de se connecter à notre Zoom comme tous les lundis soirs et presque tous les lundis, hein, parce que c'est vrai que parfois, quand il y a 5 lundis dans le mois, ben, il y en a un de trop. Alors, je vois qu'il y a des gens qui nous écoutent à travers la planète. Je vous félicite bien sûr d'être là. Comme à l'habitude dans ce genre de soirée, eh bien, qui présente le partenariat, il y a toujours nettement moins de monde parce que, et je le dis et je le répète à chaque fois que nous faisons un webinaire sur le partenariat, en fait, ça n'intéresse personne de gagner de l'argent. Et c'est un petit peu ce qui déboussole les gens parce que, en fait, on a une clé, on l'a redonnée. Et en fait, là, c'est comme si les gens ne voulaient même pas la ramasser pour la mettre dans la serrure. Alors, qui sait pourquoi la mettre dans la serrure, c'est encore tout un autre truc. Mais en fait, personne ne veut ramasser la clé. En fait, on te donne un coffre-fort, on te dit qu'il y a plein d'or et de diamants dedans, et on te montre qu'il y a une clé par terre à la ramasser, et tu ne la ramasses pas. C'est un peu paradoxal, tant tous les gens disent... Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent, j'ai des problèmes d'argent, je n'ai toujours pas d'argent et j'ai un problème petit, je dois payer les factures par là, les enfants à l'école, blablabla. Tout le monde se plaint. Je ne veux pas investir, je n'ai pas assez d'argent. Et pourtant, quand tu leur montres qu'il y a une clé par terre qui traîne pour ramasser et qu'il suffit de mettre dans la serrure pour ouvrir le coffre-fort, il n'y a plus personne. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je ne peux rien faire de plus. Si les gens ne veulent pas être intéressés par gagner de l'argent, ben, ma foi, on s'adressera qu'aux personnes qui sont présentes. Et encore, parmi les personnes présentes, il n'y aura qu'un tout petit, 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 petit pourcentage de gens qui vont réellement prendre la clé et ouvrir le coffre. C'est comme ça. C'est la vie, comme on dirait, certains. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le monde d'aujourd'hui. C'est Alléluia, l'argent tombe du ciel. On veut faire des choses qui font que bah, on veut s'asseoir dans une chaise longue et on veut longuement dormir. Et ça pousse en dessous de la chaise comme des billets de banque qui poussent sur un arbre. On aimerait bien que ça se passe comme ça, mais malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Donc ce soir encore, nous allons aborder un sujet ben, qui n'intéresse pas grand monde. Mais qui parle de partenariat et de possibilité de gagner de l'argent avec Solar Group. Mais je suis toujours déçu par le nombre de participants à ces soirées. Les gens sont plus intéressés par l'investissement pour l'argent qu'ils n'ont pas que de gagner l'argent pour investir. C'est un peu bizarre, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est le monde d'aujourd'hui, comme je dis. Bref. On ne va pas tergiverser pendant 3 ans là-dessus. C'était juste mon avis personnel sur un constat permanent. Quand on fait du partenariat, des soirées de partenariat, on se retrouve à une petite poignée de gens qui en plus n'écoutent que d'une oreille. Et c'est un peu dommage. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Bon, bah, écoutez, on va essayer de vous expliquer de quoi il s'agit. Essayez de voir si vous n'avez pas ça et là quelques personnes qui seraient éventuellement intéressées à gagner de l'argent, une fois que ça intéresserait quelqu'un, et qui veuillent écouter ce que j'ai raconté. On va prendre un document et on se retrouve dans quelques secondes. Bonsoir à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion de saluer. Bienvenue dans cette salle Zoom explicative de l'entreprise de partenariat Solar Group. De quoi s'agit-il? Il s'agit de trouver une façon de gagner 10, 15 fois ou 100 fois votre salaire. Tout dépend quel salaire vous avez. Et c'est une méthode qui intéresse peu de gens, mais qui, malgré tout, permet à certains de gagner beaucoup d'argent. Et c'est dans ce cadre-là que je viens vous expliquer de quoi il s'agit. Solar Group est en fait une société financière internationale qui fait de la promotion de projets innovants. Et dans ce cadre, eh bien, on voudrait essayer de voir et de comprendre déjà à qui s'adresse le partenariat.
Et oui, le partenariat ne s'adresse effectivement pas à tout le monde, mais on pourrait penser que cela peut intéresser une certaine catégorie de gens. Je suis Gilles Weber, partenaire national sur la route de la France et également un orateur certifié pour le sujet que je vous présente ce soir. Il s'agit notamment de voir quelles sont les insatisfactions du public cible, c'est-à-dire les personnes qui pourraient être intéressées par ce que je raconte dans ce webinaire. C'est des gens qui ont un revenu limité, mais ceux-là, ils ne sont pas là. Le manque de perspective de développement personnel, mais ces gens-là ne sont pas là non. Le manque de croissance professionnelle, il y en a peut-être quelques-uns qui sont là, mais pas tous. Le manque de reconnaissance, ça, je pense que c'est la majorité des gens. C'est la majorité des gens n'ont pas de reconnaissance sur ce qu'ils font. Et impossible d'avoir des horaires de travail libres. D'ailleurs, il y a peut-être des gens qui ne sont pas là parce qu'ils travaillent encore et que les horaires du webinaire ne correspondent pas à leurs horaires de liberté et on aimerait bien qu'ils puissent participer, malgré qu'il soit déjà tard dans certains pays. Et puis, certains autres sont accros du bureau et ils sont toujours. Bon, moi aussi, je suis des fois accro de mon bureau, mais c'est pour la bonne cause, parce que, à la différence de ceux qui sont accros au bureau durant toute une vie, pendant 30 ans, 32 ans, ben, moi, je suis accro à mon bureau pendant 5 ans, peut-être 10 ans. Et comme qui dirait, après, c'est peut-être la retraite. Là, on sera sur un petit banc et on sera un peu courbé, un peu comme le monsieur là sur l'image. Et là, si vous n'avez rien fait pour vos vieux jours, eh bien, la pauvreté arrivera dans votre vieillesse parce que vous n'aurez plus la capacité de travailler, vous n'aurez plus la force de faire certaines choses dans la vie parce que vous serez un peu usé et que vous aurez des douleurs lorsque vous allez faire quelque chose. C'est là que vous allez avoir besoin d'argent, mais c'est là que vous en aurez le moins. C'est souvent comme ça. Quel que soit le pays où vous travaillez, en général, les retraites ne sont pas très élevées. La perte de revenus, si vous ne travaillez pas, ça, je pense qu'il y en a beaucoup qui ne travaillent pas et qui bullent dans un hamac au fond d'un jardin et qui pensent que tout arrive tout cuit dans le bec. Mais bon, c'est pas vraiment comme ça. Le manque de soutien, parce que de temps en temps, bien oui, on aimerait bien avoir du soutien donc soi-même, mais on n'en a pas. Parce qu'il n'y a personne autour de vous qui va vous dire comment faire. Et notamment, comme je disais tout à l'heure, de ne pas savoir comment mettre la clé dans la serrure pour pouvoir gagner de l'argent. Les craintes aussi des personnes qui ne savent pas que Solar Group existe, eh bien, c'est aussi la peur de ne pas avoir de reconnaissance, comme je le disais tout à l'heure, c'est de ne pas être reconnu, de ne pas reconnaître le travail accompli. Et la peur de ne pas réaliser son potentiel personnel, parce qu'il y a des gens qui aimeraient bien arriver à montrer et démontrer ce qu'ils savent faire, mais malheureusement, il n'y a absolument personne pour les écouter, ni même leur proposer quelque chose qui pourrait les valoriser. Chez nous, chez Solar Group, nous avons ce qu'on appelle un programme de partenariat. Sachez que le programme de partenariat, des marques mondiales l'utilisent et que parfois, nous avons des critiques ou des appréhensions de la part des gens qui pensent que ce n'est pas quelque chose pour eux parce que ils ont eu des mauvaises expériences. Et c'est pas parce que vous êtes tombé une fois à vélo que vous ne devez jamais remonter dessus. C'est un peu comme ça que je le dis. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne l'entendent pas de cette oreille-là et qui disent, oh, po, j'ai essayé une fois le marketing de réseau, puis ça marche pas. J'en ai parlé à trois personnes autour de moi, elles m'ont toutes dit non. Donc voilà. Si vous voulez aller au travail et puis vous avez trois voitures qui forment un bouchon au stop, vous allez dire, je vais plus au travail parce qu'il y a trop de bouchons le matin, il y a trois voitures devant moi. C'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, en fait, on fait marche arrière à la moindre difficulté. On dit, oh, ben, c'est pas intéressant parce que tous les matins, il faut que je me lève tôt parce qu'il y a des bouchons dans la ville. Il y en a qui connaissent ça, hein. Mais est-ce que vous croyez que c'est la réalité? Est-ce que vous croyez que vous allez manger à la fin du mois? Non. Vous allez rester dans votre mauvaise idée de penser que c'est les bouchons qui gèrent votre vie. Ici, c'est pareil.
Si vous pensez que le partenariat Solar Group n'est pas fait pour vous parce que vous avez eu trois personnes qui vous ont dit non, ah ben, détrompez-vous, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Regardez les grands, là, Airbnb, Uber et tous les autres là, qui figurent là, Booking, tous ces gens-là, là. Hein? Vous croyez qu'ils font comment, eux? Hein? Ils vont avoir des milliers de clients qui vont passer par là, il y en a peut-être un de temps en temps qui va acheter. Mais est-ce qu'ils vont se décourager? Non, parce qu'au fil du temps, on apprend à les connaître et on sait qu'ils sont sérieux. Et à partir de là, eh bien, on leur fait confiance. Maintenant, vous ne pouvez pas inviter des tas de gens et leur raconter des salades, leur raconter des choses qui ne sont pas vraies et leur dire que c'est magnifique, c'est gratuit et on n'a pas besoin de faire quelque chose. C'est faux. On a toujours besoin de faire quelque chose. On a besoin de bouger, on a besoin d'apprendre, on a besoin d'expliquer, on a besoin d'utiliser les autres qui parlent à votre place. Parce que des fois, on parle mal. Ou alors, des fois, on n'est pas compris. C'est comme quand moi je parle, des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Il y en a, et ça rentre là et ça sort par là. Et il y en a, ils disent, lui, il est trop blanc, donc finalement, on ne va pas l'écouter. Etc. Enfin, il y a toujours un peu des excuses. D'accord? Donc, en fait. Et moi, j'en entends tous les jours des excuses. Et c'est justement, moi, ce qui me hérisse un petit peu quand je vois la quantité de personnes qui viennent à mes webinaires de présentation, de partenariat. Parce que, en fait, c'est un peu énervant parce qu'on a tous les jours des gens qui se plaignent et on a tous les jours des gens qui nous disent qu'ils n'ont pas d'argent. Et on a tous les jours des gens qui ont, des tas d'excuses pas possibles, mais ils ne font rien, mais alors rien de rien de rien pour arranger leur situation. Et c'est un peu ça qui fait que j'ai tendance à un peu à vous piquer, si je puis me permettre, d'avoir un peu cette expression, parce qu'en fait, c'est un peu rageant de se rendre compte qu'il y a des gens qui râlent, mais qui veulent rien faire pour s'en sortir. Et c'est là que c'est un peu frustrant aussi pour moi d'expliquer quelque chose à des gens qui ne veulent pas l'entendre, en fait. Donc, c'est pour ça que je parle un peu comme ça. Maintenant, si je heurte des gens, ben, c'est pas grave. Moi, je travaille avec les gens qui ont envie de travailler. Ceux qui veulent rien faire, ben, c'est pas grave, vous pouvez quitter, c'est pas grave. Donc, la Société financière internationale de nouvelle génération dans le domaine de l'investissement participatif, c'est Solar Group, et nous existons depuis 7 ans. Depuis 7 ans, on paye des gens. Depuis 7 ans, les gens retirent de l'argent dans notre poche et mangent à leur faim. Et moi, j'en connais pas mal. Nous avons aujourd'hui, et on va voir les chiffres tout à l'heure, nous avons plus de 20 000 personnes qui gagnent aujourd'hui de l'argent grâce à Solar Group à travers la planète. C'est peut-être pas beaucoup de gens, 20 000, mais c'est 20 000 qui gagnent de l'argent. Bon, est-ce qu'ils le savent d'ailleurs? Parce qu'il y a des gens, des fois, ils gagnent de l'argent dans Solar Group et puis ils sont même pas au courant. Et en fait, ils n'ont pas mis leur nez dans leur back-office et ils sont même pas au courant qu'ils peuvent retirer cet argent pour manger ou pour s'acheter quelque chose ou payer des factures ou investir. Parce que, en fait, après tout, on est une plateforme d'investissement et souvent les gens disent qu'ils n'ont pas d'argent pour investir, ils aimeraient bien, mais en fait, ils ne vont jamais dans leur back-office, ils ne vont jamais dans leur compte Solar Group et ne voient même pas qu'il y a de l'argent qui est là. Des fois, c'est même le parrain qui ramasse l'argent parce que c'est lui qui gère le compte à la place des gens et que, en fait, parfois, ben, c'est lui qui ramasse l'argent pour manger. Pardon de le dire, hein, parce que j'en entends aussi des gens qui se plaignent, que voilà. Bon, il y a aussi des gens très honnêtes et qui sont des parrains très honnêtes et qui font leur travail et qui aident les gens à gagner de l'argent, mais montrez-leur aussi qu'on peut le retirer et qu'ils peuvent vivre avec. Ça, je pense que ça ferait plaisir, pas seulement d'encaisser toujours, mais aussi de montrer que les gens peuvent retirer cet argent et vivre avec, parce que c'est ça aussi le partenariat. La mission de l'entreprise Solar Group, c'est de préserver la planète à travers des innovations technologiques, en assurant le bien-être des participants du projet, parce que si vous voulez, il y a effectivement l'investissement, mais aussi le côté écologique qui doit ressortir. Et ainsi, ce que nous proposons sont toujours des projets écologiques qui apportent un mieux-être à la personne qui investit. La philosophie de l'entreprise, eh bien, c'est d'unir des investisseurs et des projets à travers des partenaires. Donc, les partenaires, on en parle ce soir, c'est justement vous et moi. Ce sont les personnes qui sont intéressées par gagner de l'argent grâce à la promotion des projets que vous allez faire autour de vous auprès d'autres personnes.
Oui, parce qu'il y a des gens qui disent, mais j'ai encore pas compris de quoi il s'agit. Eh bien, il s'agit de faire le démarcheur. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce mot, mais il est très explicite, en fait, pour les gens qui travaillent dans certains pays. Ils comprennent mieux cette expression qu'une autre, de vous dire que vous êtes un démarcheur. Vous êtes un démarcheur de Solar Group. Et un démarcheur, ça gagne des pourcentages. Ça gagne de l'argent s'il amène des clients. Et en fait, c'est la même chose pour vous ici. Donc, vous êtes un partenaire si vous invitez des gens à investir à travers votre lien de partenariat. C'est quoi le lien de partenariat? Bien, en fait, c'est votre lien d'inscription. C'est-à-dire celui par lequel vous allez inviter des gens et ils vont s'inscrire avec vous. Et si les gens s'inscrivent avec vous, eh bien, vous allez bénéficier de certains pourcentages qui vont vous être versés à chaque fois que quelqu'un paye. On va développer ça dans un instant. Aujourd'hui, si on regarde quelques chiffres, on voit qu'il y a quelques 520 000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme. Bon, les chiffres peuvent varier, hein. J'ai pas mis vraiment à jour, j'ai un peu arrondi. Je crois qu'il y en a 528 000. 71 000 investisseurs, 20 000 partenaires, un petit peu plus. Et par contre, le chiffre récolté pour le premier projet, lui, il est juste, je viens de le relever tout à l'heure dans le back-office. C'est 92 930 557 dollars qui ont été récoltés à ce jour pour le projet des moteurs de YouNov dont on va parler dans un instant. Et puis, si on fait un comparatif depuis 2017, on voit que, ben, il y a une belle évolution quand même. Il y a beaucoup d'argent qui a été récolté. Il y a beaucoup plus de gens qui gagnent de l'argent aussi. Ça s'appelle les partenaires. Ils sont aujourd'hui plus de 20 000 et 71 000 investisseurs. Et aujourd'hui, on a la chance de pouvoir bénéficier de part de la société dans laquelle ils ont investi. La perspective de Solar Group, c'est d'avoir une plateforme, et ça, c'est un slide que l'on montre depuis de nombreuses années, c'est de développer plusieurs projets. Oui, c'est vrai que le premier projet, on voulait l'amener à terme. On voulait l'amener à la fin du financement et non pas des retours sur investissement parce qu'il y a des gens qui confondent les deux. Et donc, le projet des moteurs de YouNov est le premier projet que l'on essaie d'amener à sa fin. Et le deuxième projet, lui, a déjà démarré il y a quelques mois de cela. Et le troisième projet devrait intervenir, mais à partir de 2026, très certainement. Alors là, on n'a pas de date précise, hein, ne nous demandez pas. Comme je dis souvent, on n'a pas la boule de cristal et on n'a même pas fini le premier, que les gens veulent déjà être au dixième. Donc, ce n'est pas la peine. Restons au jour d'aujourd'hui, faisons des choses aujourd'hui, progressons pas à pas et c'est comme ça que l'on avance. Le projet actuel de Solar Group, ce sont les moteurs de YouNov. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un projet international de développement, de mise en œuvre d'un bureau d'études et d'ingénierie qui va créer des moteurs électriques asynchrones de nouvelle génération, mélangeant deux types de bobinage et appelés les bobinages combinés de type Slavyanka. Ça a été développé par un monsieur qui s'appelle Dmitri Duyunov. Et l'objectif du projet, c'est de finir la construction de ce bâtiment. Alors là, on voit encore une photo du chantier, mais à l'heure actuelle, eh bien, tout est très goudronné tout autour. Il y a déjà des arbres qui ont été plantés, les voitures sont garées, et il n'y a plus qu'à l'intérieur quelques finitions qui sont en cours et d'aménagement de matériel et de bureaux qui sont en train de s'opérer. Aussi, la commission d'État qui contrôle la conformité du bâtiment et bientôt la conformité de la mise en œuvre de l'objet, c'est-à-dire de la société en elle-même, qu'elle puisse commencer à travailler et apporter notamment un savoir-faire à des clients. Eh bien, c'est une autre phase encore qu'il va falloir passer. Et ce sont donc deux objectifs qui sont là et qui sont en cours de route, en cours d'achèvement. Parfois, les gens nous demandent pour quelles raisons on n'en est pas encore à la fin. Eh bien, c'est simplement parce qu'il y a des fonctionnaires qui sont là et qui font des rapports et qui prennent leur temps aussi pour pouvoir nous indiquer ce qui ne va pas. Et ensuite, il faut aussi corriger. Et pour corriger, il faut avoir de l'argent.
Et cet argent, il faut qu'il soit récolté auprès des investisseurs pour que le BTI, donc le Bureau technologique d'études et d'ingénierie, puisse commencer à avoir des clients et avoir des acomptes, donc des avances sur les commandes qu'il pourrait y avoir. Et avant que le bureau d'études ne soit réellement en fonction, on ne peut pas demander des avances à des clients parce que en fait, on les tricherait un peu en leur disant, mais versez-nous une avance, mais on n'est encore pas prêt. Donc en fait, c'est pas très logique. Donc il faut d'abord attendre que ce soit en route et ensuite on pourra demander des avances à des clients. Je voudrais préciser que une entreprise de partenariat avec Solar Group, c'est un ensemble de gens de beaucoup de pays qui ont été rassemblés en 2022 ici sur une très belle image. Nous avons tous un certificat entre les mains, donc quoi, nous avions participé à une conférence et nous avons visité notamment le BTI qui était à l'époque encore en chantier, assez avancé, chantier avancé, mais qui n'était de loin pas terminé parce qu'il y avait encore un trou très béant dans la façade. C'est d'ailleurs une porte qui permet de charger du matériel donc à l'étage par le biais d'une grue c'est par cet espace parce qu'on ne peut pas monter certaines machines dans un ascenseur donc il faut pouvoir les hisser là-haut et c'est la raison pour laquelle à cet endroit-là il y a aujourd'hui une porte qui permet de s'ouvrir et d'enfourner du matériel lourd et encombrant. Les partenaires, c'est qui? Eh bien, c'est vous et moi. Ce sont des gens qui, à la base, sont déjà peut-être des clients, c'est-à-dire des gens qui ont déjà fait un investissement et qui sont intéressés par développer le business, c'est-à-dire d'en parler autour d'eux parce que ça leur plaît, ils sont investis, ils aiment, ils ont investi et ils sont investis. Souvent, je dis que ce n'est pas forcément une question d'argent, c'est une question aussi de s'investir soi-même, c'est-à-dire de prendre suffisamment de temps pour le consacrer au business et de parler aux gens. Alors, les gens parfois disent oui, mais je ne sais pas en parler. Oui, on peut l'entendre, bien sûr, mais il y a aussi une formation qui existe dans le back-office. Et dans ce cadre, eh bien, je vous invite à regarder ce qui peut se trouver dans le back-office, c'est-à-dire dans votre compte Solar Group. Il y a très certainement là des outils que vous pouvez utiliser. Sachez quand même que ce n'est pas très difficile d'apprendre et que c'est un système d'apprentissage étape, pas à pas. Bien sûr, on ne peut pas apprendre tout d'un coup en faisant clap comme ça. Il faut un certain temps pour apprendre à connaître le business lui-même, de savoir répondre aux gens. Voilà, il y a une atmosphère d'aide et de soutien qui est là, notamment les leaders qui peuvent vous aider à comprendre comment ça fonctionne et comment on en parle. Il y a aussi des outils modernes et du matériel gratuit qui se trouve dans votre back-office. Souvent, je répète, si ce matériel était payant, je pense qu'il y aurait plus de gens qui le regarderaient. Et ensuite, il y a des récompenses monétaires sans risque. Pourquoi sans risque? Parce que vous pourriez, alors je le mets un peu au conditionnel, vous pourriez démarrer sans investir, mais je ne vous conseille pas parce que, en fait, si vous investissez vous-même, vous apportez déjà une certaine crédibilité à ce que vous faites. Et donc, c'est vraiment intéressant et important de pouvoir investir d'abord et en parler après. Maintenant, vous pouvez faire l'inverse, mais je vous garantis que vous allez avoir 3 fois plus de mal. C'est là que justement qu'il y a des gens qui abandonnent parce qu'ils disent c'est trop dur. C'est trop dur parce que vous n'avez pas la crédibilité. Le premier qui vient, il va vous poser la question, il va vous dire, mais et toi, tu as déjà investi? Et vous allez dire, ben non, je vais attendre la semaine prochaine ou le mois prochain, ou etc. Et là, vous n'avez pas de crédibilité. Là, ça passe pas, quoi. Personne ne va vous dire, bah, si toi, tu n'as pas investi, ça veut dire que tu n'y crois pas vraiment. Enfin, même si vous ne le dites pas comme ça, mais en fait, ils le croient, c'est ce qu'ils pensent dans leur tête. Et là, ils se disent, bah, lui, il va attendre le mois prochain, mais moi, je vais faire pareil. Donc, investissez d'abord et faites du partenariat ensuite. Moi, même si c'est écrit dans le sens inverse, c'est possible, hein, mais il faut vraiment une volonté de faire. Ce n'est pas 10 personnes que vous allez avoir de refus, mais c'est 100. Donc là, vous allez vous décourager, ça va être fini. Au bout de 50, vous allez dire que ça ne marche jamais. Et vous allez dire, Solar Group, le partenariat, ça ne fonctionne pas. Or, ce n'est pas le partenariat qui ne fonctionne pas. C'est vous qui n'avez pas su mettre en œuvre les bons conseils que je peux vous donner. L'emploi du temps est libre, oui. Bah, il est libre surtout pour les gens qui ont du temps à perdre, parce qu'il faut quand même un petit peu de temps à consacrer. Vous savez, c'est un peu comme un travail.
Si vous travaillez 8 heures par jour, ben, vous aurez une rémunération pour 8 heures par jour. Si vous travaillez juste un petit quart d'heure ou 20 minutes par jour, ben, vous aurez l'équivalent d'un petit quart d'heure, 20 minutes de travail par jour. Il faut consacrer beaucoup de temps, surtout au début. Parce que personnellement, je n'ai jamais dit que c'était quelque chose de facile. Et je le répète, c'est même très difficile. Mais il faut tenir le choc et aller outre les embûches qu'il pourrait y avoir sur votre passage. C'est la seule façon d'avancer. Parce que quoi que vous fassiez dans votre vie, il n'y a jamais rien de vraiment facile. Si vous arrivez dans un nouvel emploi, que vous avez un patron qui est derrière votre dos et qui vous demande de faire du chiffre ou qui vous demande de faire un certain travail et que vous devez vous dépêcher de le faire, je pense que vous allez aussi avoir un patron sur le dos et vous n'allez pas trouver ça facile. Tant que vous allez le faire, parce que vous avez besoin de manger à la fin du mois. Ici, c'est la même chose. Développer votre professionnalisme, promotionner le business, et vous allez voir qu'au bout d'un certain temps, ça va fonctionner parce que chez nous, vous avez en plus la possibilité d'avoir ce qu'on appelle une carrière. Alors, je l'ai répété, il y a un fut un temps où je disais, il fallait 30 ans à certaines personnes pour atteindre le top d'une carrière. Et encore, hein, les gens, ils sont rentrés par la petite porte et ils sont restés à la petite porte. Parce qu'ils n'ont pas d'ambition, ils ne montrent pas ce qu'ils ont dans le ventre, ils montrent que le Alléluia, ça tombe du ciel. Et quand vous avez cet état d'esprit-là, vous n'avancez pas et vous ne pouvez pas gravir des échelons dans une entreprise, quelle qu'elle soit. Vous devez montrer quelque chose, vous devez montrer une certaine volonté et vous devez montrer que vous savez faire quelque chose, que vous savez prendre des initiatives, que ces initiatives sont louables, que ces initiatives apportent quelque chose à l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Quel que soit le domaine, hein, je ne parle pas spécialement de Solar Group, je parle en général. Et si vous voulez gravir des échelons, que vous appelez des fois des grades, mais ça c'est, on n'est pas à l'armée, hein, les grades c'est à l'armée. Bien, en fait, les grades, c'est, comment dirais-je, c'est, j'ai perdu le mot, c'est à la force du poignet, comme on dit, hein, c'est le travail qui fait que on vous reconnaît, on reconnaît que vous avez fait certaines choses. Et parfois, c'est difficile d'aller d'un à l'autre. Alors, des fois, la plupart des gens nous posent des questions et nous disent, mais comment on passe de l'un à l'autre? Comment on fait pour passer de partenaire à spécialiste, ne serait-ce que le début, parce que c'est déjà ça, un premier pas. Alors, chez nous, le premier conseil que je peux vous donner, parce que c'est un peu une erreur que font certaines personnes et je voudrais mettre un peu le doigt dessus. Je vais vous montrer comment on passe de partenaire à spécialiste, parce que c'est uniquement la base, d'accord? Alors, déjà, je voudrais vous montrer des pourcentages. Dans un instant, je vous expliquerai, je vous donnerai un exemple de quelque chose. Voyez-vous que les pourcentages, quand vous en parlez autour de vous, que vous jouez le démarcheur, d'accord? Et que vous trouvez un client, parce que c'est le même principe, hein? Vous savez, c'est comme les démarcheurs qui font visiter les appartements, et puis en fait, ils trouvent un client. Mais si le client n'a pas pris l'appartement, ben, ils n'ont rien. Ils n'ont rien du tout. D'accord? Peut-être juste le prix de la visite, mais ce n'est pas avec ça qu'ils vont vivre. Hein. Donc, en fait, ici, il n'y a pas le prix de la visite, déjà. Mais vous avez 15% au premier niveau quand la personne paye. Donc, c'est-à-dire que si vous trouvez quelqu'un, s'inscrit avec vous, vous allez lui indiquer le chemin pour qu'elle puisse acheter. Acheter quoi? Acheter des parts sociales de business qu'on propose, de l'innovation technologique qui est proposée. On en a deux, des projets actuellement. Je vais y venir pour le deuxième. Je vous ai parlé déjà du premier. Et puis, à partir du moment où la personne commence à acheter ce qu'on appelle des parts sociales de la SARL, hein, parce que c'est des packs de parts, ben, en fait, vous allez percevoir 15% sur le montant que la personne aura payé. Alors, il faut savoir que la personne peut payer mensuellement, c'est-à-dire qu'elle peut payer chaque mois. On n'a pas besoin d'avoir une grosse fortune d'argent. Parfois, on fait du financement participatif populaire, c'est-à-dire qu'en fait, on s'adresse à monsieur tout le monde. Bon, bien sûr, il faut quand même avoir un minimum d'argent. Parfois, il y a des gens très, très pauvres. Mais les gens très, très pauvres, justement, ils ont un petit peu du mal à comprendre parfois comment on évolue. C'est pour ça qu'ils sont toujours pauvres.
Et si on essaie de leur expliquer les choses, parfois ils prennent ça même méchamment. Si moi, par exemple, je pique un petit peu les gens et les gens sont susceptibles, ben, en fait, ils prennent ça mal, alors qu'on essaie juste de les motiver et d'essayer de leur donner le petit coup de pied au derrière pour qu'ils puissent avancer. Vous voyez, c'est un peu comme le patron qui vient vous donner une bonne tape dans le dos en disant, ah, mon ami, alors, ça marche le boulot, on avance? Voilà, c'est un peu pareil, vous comprenez? C'est pas méchant, mais c'est pour faire avancer le schmilblick, comme on dit. Bon, bref, si vous faites quelque chose, vous gagnez. Si vous ne faites rien, vous gagnez rien. Donc, il faut y consacrer du temps, de la passion aussi. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi, c'est-à-dire y croire, hein, y croire profondément. Si vous ne croyez pas profondément, ben, vous ne ferez rien. Vous ne ferez rien du tout, hein. Donc, maintenant, on va essayer de voir, parce que là, je vous ai montré des pourcentages. Je ne veux pas m'éterniser sur les pourcentages et vous les énumérer. Pourquoi? Parce que vous avez tout ça dans votre back office. En fait, tout ça, c'est dans votre compte. Vous cliquez sur pour les partenaires et vous avez le plan de rémunération, il est là. Vous pouvez le télécharger, vous pouvez regarder ça en détail, le jour, la nuit. La nuit, le jour, vous pouvez regarder ça tranquillement en ayant ça sous les yeux, en scrutant chaque chiffre, en regardant tout ça, c'est pas un problème. Faites-le, regardez, cherchez ce document. Vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de documents dans le back-office, il faut les chercher. Et déjà, ne serait-ce que chercher, ça représente déjà un certain travail. Certains aiment bien qu'on leur donne tout sur les réseaux sociaux. On peut parfois, moi-même, j'aide les gens, même si je leur dis où le trouver, des fois, je leur donne. Mais essayez de vous appliquer vous-même à essayer de trouver les choses et essayer de chercher vous-même. Parce qu'en fait, c'est comme ça que vous apprenez, c'est comme ça que vous allez pouvoir montrer à d'autres personnes comment ça fonctionne, vous voyez. C'est un peu le professeur qui dit toujours aux enfants de faire, mais lui, il ne fait jamais. Il faut que vous montriez l'exemple aussi à vos filleuls, à vos prospects, comment faire et où c'est qu'on cherche tout ça. Mais pour ça, il faut que vous-même vous appreniez déjà, voyez. Et pour apprendre, ben, il faut consacrer du temps, il faut chercher. Alors, comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre? Ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Et je voulais vous parler d'une base, de la base pour passer de partenaire à spécialiste. Déjà, pour passer de partenaire à spécialiste, vous devez investir vous-même 250 $. Là, je voudrais mettre un peu le point sur le i en disant que ceux qui investissent 100 $, là, vous n'avez déjà rien compris. Parce que si vous voulez gagner de l'argent avec Solar Group, il faut au minimum investir 250. Donc, soit vous avez 250 et vous les investissez dans un pack de 250, mais déjà, ça vous limite à ne devenir que spécialiste. Autre solution, c'est que vous prenez d'emblée un pack de 500 $, vous payez 50 $ tous les mois pendant 10 mois. Là, vous avez déjà la chance, l'objectif de devenir master. Donc, en fait, les packs de 100 $ ou 250 $, c'est vraiment pour ne rien faire, parce que vous ne pourrez pas évoluer grandement. Maintenant, pour devenir spécialiste, vous devez aussi avoir deux personnes à 100 $ chacune. Si encore une fois, vous avez deux personnes qui investissent dans un pack de 500 $, elles vont payer 50 $ le premier mois, 50 $ le deuxième mois. Donc, le deuxième mois, vous pouvez déjà devenir spécialiste. Parce que si vous avez deux personnes qui ont investi sur 2 mois, c'est déjà 200. Maintenant, il y a vos 250. Mais vous pouvez aussi payer en avance. Parce que vous pouvez payer 50 $ le premier mois, 50 $ le deuxième mois, et vous pouvez très bien rajouter 150 $ pour arriver à 250. Et là, vous passez déjà spécialiste pour le deuxième mois. Ce n'est qu'un exemple, bien sûr. Si vous n'y arrivez pas, vous pouvez y arriver au bout du troisième ou même du quatrième mois. Mais essayez de l'atteindre, parce qu'en fait, c'est ça qui va vous faire grimper dans la gamme de pourcentage que vous allez recevoir. Et plus vous allez vous en occuper, et plus vous allez avoir de filleuls, et plus vous allez gagner d'argent.
Maintenant, pour passer de spécialiste à master, il faut que vous ayez investi 500 dollars. Donc, soit c'est au bout de 10 mois à 50 dollars par mois, ou alors vous avez gagné suffisamment d'argent par le biais du partenariat et vous pouvez payer des mensualités en avance. Et là, vous pouvez atteindre les 500 dollars beaucoup plus rapidement. Mais vous devez aussi avoir trois personnes à 200 dollars juste en dessous de vous, c'est-à-dire inscrits directement avec vous. Et ensemble, vous-même, avec la première ligne, quelles que soient les personnes, en dehors des, enfin, avec les, celles qui ont les 200 dollars, plus tous les autres, vous devez accumuler 2000 dollars. Maintenant, si vous avez déjà 500 dollars et que vous avez déjà trois personnes à 200 dollars, ça fait 600. 600 plus 500, ça fait 1100. Donc, il manque plus que 900 dollars. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Sinon, ce n'est pas grave, essayez de comprendre ou venez me poser la question plus tard ou adressez-vous au support. Eux aussi, ils ont des fois d'autres façons pour expliquer les choses qui ne sont pas forcément les miennes et qui sont peut-être plus compréhensibles. Si vous voulez passer expert, vous devez avoir investi 1500 dollars. Pour certains pays, ça représente déjà presque 1 million de francs CFA. Et puis, vous devez avoir trois masters. La plus grande difficulté, ce n'est pas le million. La plus grande difficulté, c'est d'avoir les trois masters. Et ensemble, vous devez avoir 5 000 dollars. Ça aussi, ce n'est pas très compliqué parce que les trois masters à 500, ça fait déjà 1 500, plus vos 1 500, ça fait déjà 3 000. Il manque déjà plus que 2 000. Pour passer professionnel, vous devez avoir investi 5 000 dollars, avoir trois experts. Watcha, attention, trois experts, ça c'est déjà un peu costaud. Et puis, vous devez avoir ensemble 10 000 dollars. Encore une fois, ce n'est pas les 5 000 qui sont le plus compliqué, c'est d'avoir les trois experts. Et puis, pour pouvoir être président, eh bien, vous devez avoir cinq experts. Et là, il faut un peu s'accrocher. Voilà. Mais ce n'est pas impossible. Je crois que j'ai dû le faire au moins déjà 4 fois ou 5 fois. Donc, comme quoi, c'est possible. Et je voudrais préciser que je suis toujours président, contrairement à certains qui disent qu'ils sont présidents et qu'ils ne le sont plus. Parce que pourquoi je dis ça? C'est parce que, regardez, au bout de 6 mois, vous devez avoir fait ce qu'on appelle une requalification. C'est quoi une requalification? Mais en fait, vous devez avoir fait une autre opération dans les 6 mois qui sont là. Quelle opération? Vous devez avoir soit investi 10 000 dollars, soit avoir un nouvel expert. Donc, c'est-à-dire pas 5, mais en avoir 6 en première ligne. Et si par hasard vous retombez au statut de professionnel, parce que en fait on rétrograde hein, si on n'a pas fait le plan, ben en fait vous devez faire les deux. Vous devez avoir et un expert de plus et 10 000 dollars. Donc c'est quand même pas négligeable, c'est pas rien. Vous comprenez que à partir de là, c'est peut-être une autre chose, quoi. Il faut, faut maintenir tout ça. Bon, après, quand on est président, on a quand même un certain niveau de rentrée, on a quand même un certain nombre de personnes derrière soi, et les choses sont pas plus faciles, mais moins compliquées. Les outils pour les partenaires, c'est quoi? Parce que des fois, je dis qu'il y a des outils dans le back-office, mais les gens ne prêtent pas toujours attention. Il y a du matériel de marketing. Il faut aller dans pour les partenaires, et ensuite, il faut cliquer sur matériel de travail. Je répète, donc pour les partenaires, ça c'est dans le menu. Et ensuite, vous avez une sous-rubrique, il y a marqué matériel de travail. C'est là-dedans que vous allez trouver les dépliants PDF, les PowerPoint, tout ce que je montre là, d'ailleurs, il y a des gens qui me demandent des fois si on peut avoir ce que je montre là. Pouvez l'avoir, vous pouvez le télécharger, c'est dans votre back-office. Faut chercher. Le problème, c'est que les gens ne cherchent pas. Donc, vous allez dans votre back-office, vous cliquez un peu, vous cherchez, vous téléchargez. Si vous avez une mauvaise connexion, bah, faut prendre une bonne connexion, faut prendre un peu de connexion, et puis vous téléchargez tout ça, et vous avez tout ça dans votre téléphone, dans votre ordinateur. Les liens de partenariat avec des métriques. C'est quoi des métriques? C'est pour mesurer le nombre de personnes qui sont passées par là. Vous avez un petit œil au bout, et puis quand vous cliquez dessus, ben, vous voyez le nombre de personnes qui sont effectivement passées par là, et le nombre de personnes qui se sont réellement inscrites, et le nombre de personnes aussi qui ont investi.
Ça vous donne des indications, de savoir si votre publicité que vous avez balancée est bonne ou elle, si elle n'est pas bonne. Vous pouvez faire plusieurs liens différents de telle manière à les tester et savoir ce qui marche le mieux. Vous avez un système de formation et de soutien. Alors, c'est quoi formation et soutien? C'est une formation qui est gratuite et qui se trouve dans le back-office, toujours dans pour les partenaires. Et puis ensuite, vous avez une rubrique où il y a marqué formation. C'est là, vous téléchargez, il y a 9 chapitres. Il y a là-dedans aussi ce qu'on appelle les objections. Dire si quelqu'un vous dit, oh ben ouais, mais ton truc là, est-ce que c'est valable? Est-ce que ça existe vraiment? Enfin, des trucs comme ça. Ouais. Ça fait quand même 7 ans qu'on est là. On a une chaîne YouTube qui est là. La chaîne YouTube, elle présente plus de 600 vidéos aujourd'hui. Je vois pas comment on peut tricher d'avoir sur 7 ans autant de vidéos et de dire que c'est pas vrai. Donc, voilà. Il y a aussi des Africains qui sont allés sur le chantier depuis 2022. C'est quand même important de dire et que ces vidéos existent et qu'elles sont là. Vous pouvez les montrer, qu'elles ne datent pas d'aujourd'hui. En fait, on est toujours là. On est toujours là à aller sur le chantier et vous montrer les images. Donc voilà. Puis vous avez également un système de statistiques à l'intérieur de votre back-office qui vous permet de savoir combien vous gagnez par jour, combien vous allez gagner prochainement, etc. D'informations. Je vous parlais de la formation. Voici les différentes rubriques de formation que vous avez. Comment interagir avec les clients, inviter à un événement, le cadeau à un ami. Le cadeau à un ami, je précise que vous recevez maintenant quand vous invitez quelqu'un, automatiquement, la personne reçoit 25 $ dans son back-office. Et que ces 25 $ sont là durant 14 jours. Mais attention, au bout de 14 jours, ça disparaît. Mais les gens, des fois, ils oublient, traînent, ils n'ont pas compris que c'est de l'argent. Et oui, 25 $, ce n'est pas rien. Ça peut faire à peu près 17, entre 15 et 17 000 francs CFA offerts gratuitement à quelqu'un qui s'inscrit et qui est nouveau. Hein, je précise, pas quelqu'un qui a déjà investi, hein, quelqu'un qui est nouveau, qui s'inscrit. Donc, proposez ça à vos amis et ça peut les aider à investir et que vous puissiez gagner un peu d'argent sur ce qu'ils investissent. Notre directeur général a donné des instructions pour les partenaires, Sergei Semyonov. Vous invite à chercher ça dans votre back-office. Il a donné des explications aussi pour les partenaires. Une vidéo qui existe également sur notre chaîne YouTube. Vous pouvez la regarder, il donne des explications pour vous encourager, vous motiver, expliquer un peu comment ça fonctionne. Maintenant, en ce qui concerne le nouveau projet que nous avons lancé, il s'agit de dirigeables de nouvelle génération. En fait, les anciens, ceux qui sont là avant le 7 août 2024, et qui avait des filleuls, vous devez réaliser un plan de marketing. Pourquoi est-ce qu'on vous demande de réaliser ce plan marketing? Mais c'est parce qu'il y a des gens qui se sont un peu amusés à continuellement retirer de l'argent et qui n'ont quasiment jamais investi. Il y en a tellement que la direction a décidé de faire un plan marketing à réaliser et de, en quelque sorte, entre guillemets, obliger un peu les gens qui n'arrêtent pas de retirer, de faire un petit effort d'investissement. C'est un peu du donnant-donnant, en fait. Vous devez prendre un pack de 2 000 $. Attention, ceux qui ont pris un pack de 1 000 $, ce n'est pas valable. Faites demander au support en ligne un upgrade pour passer un pack de 2 000 $. Sinon, vous ne recevrez pas vos bonus de partenariat de vos anciens PL. Si vous avez des nouveaux à partir du 8 août 2024, ces personnes-là n'ont pas besoin de faire ce plan. Cela ne s'adresse qu'aux anciens qui roucoulaient dans un coin. Et vous devez investir sur les 2 000 $, vous devez investir vous-même 500 $. Et alors, vous avez trois options. Soit vous avez trois personnes au niveau 1 en direct qui investissent aussi chacune 500 $. À ce moment-là, vous commencerez à percevoir les bonus de partenariat sur le projet des dirigeables de nouvelle génération.
Et si vous pensez que c'est trop difficile d'avoir trois personnes à 500 dollars, moi j'ai une astuce pour vous, sachant que les nouvelles personnes reçoivent 25 dollars actuellement dans leur compte, bah, ça fait plus que 25 dollars à ajouter pour avoir 10 personnes à 50 dollars. Moi, je vous aurais donné l'astuce. Hein. Vous voyez, encore une fois, on vous donne des clés. Mais saisissez cette opportunité d'inviter 10 personnes, de leur dire, tiens, tu as 25 dollars investis dans les dirigeables de nouvelle génération, et comme ça, tu n'as plus que 25 dollars à ajouter. Et vous avez 10 personnes à 50 dollars, quelle que soit l'issue derrière de ce que les gens feront. Mais au moins, vous avez 10 personnes à 50 dollars, et ça vous permet de bientôt toucher vos bonus de partenariat. Et puis, il y a une troisième option, c'est si vous mettez vous-même 10 000 dollars cash. Là, vous aurez également la possibilité de recevoir les bonus tout de suite. Voilà, vous avez des clés en main. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est pas juste? En fait, si ça a été fait, c'est parce que, encore une fois, la direction considère que il y a des gens qui profitent trop de certaines choses et qui ne contribuent pas aux efforts de l'investissement participatif. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la direction. Ce n'est pas moi qui ai mis ça en place, c'est la direction. Nous essayons de respecter et de montrer qu'on peut le faire. Un peu de volonté, bien sûr. Mais encore une fois, c'est comme tout. Si on veut, on peut. Si on veut pas, ben, on part les bras ballants et on dit, c'est pas pour moi. L'expansion mondiale prend de l'essor. Nous avons des nouveaux pays qui se sont rajoutés. D'ailleurs, il en manque un sur mon slide ici. C'est le Mozambique. Alors, le Mozambique a également rejoint donc les représentations de Solar Group. Qui sont les pays? Ben là, c'est pareil, il manque le Mozambique aussi, pardon. On va rajouter la prochaine fois. On a déjà rajouté la Guinée. Donc, les derniers arrivés sont la Guinée et le Mozambique. Les autres, bien, ont déjà eu l'occasion d'avoir des ouvertures de partenariat national, comme on disait à l'époque, mais aujourd'hui, ça s'appelle les représentations Solar. Les représentations Solar Group existent dans plusieurs pays et nous avons des représentants. Les premiers représentants qui existent toujours et qui sont là, ce sont toutes ces personnes avec les différents drapeaux des pays que vous voyez. Moi-même, je m'occupe de la France. Et nous avons des nouveaux venus. Il y a des nouvelles personnes, des nouvelles têtes qui sont apparues. Mais encore une fois, là, il n'y a pas le Mozambique, mais il arrivera la prochaine fois. On va essayer de faire le nécessaire pour le rajouter. Mais on a des nouvelles têtes qui sont là. Les nouvelles têtes, c'est la Guinée, le Togo, Cameroun, le Burkina Faso, Haïti et le Sénégal. Voilà donc vos représentants dans vos pays. Ce sont eux qui sont les nouveaux représentants donc des projets Solar Group et c'est à eux qu'il faut s'adresser pour avoir des renseignements, des informations, de l'aide, etc. D'accord? Donc, c'est à ces personnes-là que vous devez maintenant vous adresser. Parfois, il y a des gens qui s'adressent encore à moi. C'est bien, vous pouvez aussi le faire. Mais il est plus intéressant aujourd'hui de s'adresser à vos compatriotes, sachant qu'ils sont là pour vous aider. Voilà, moi, c'est pour la France. Donc, Gilbert, si vous êtes français, vous pouvez vous adresser à moi. Si vous parlez le français aussi, hein, bien sûr, pas vous rejeter, hein. Mais voilà, si vous pouvez vous tourner vers les gens qui sont responsables dans vos pays, ce serait bien. Sachez aussi, et je voudrais le préciser, que nous ne sommes pas le support en ligne. Que ce soit moi ou que ce soit mon assistante Barbara ou que ce soit les représentants, nous ne sommes pas le support en ligne. On peut vous donner des informations, mais tout ce qui concerne le rechargement des crypto-monnaies ou l'argent qui n'arrive pas ou des choses comme ça ou des transferts d'argent tout ce qui concerne l'argent c'est pas nous on n'a pas accès à tout ça, on n'a accès à rien du tout de tout ça, on n'a accès à aucun compte. Mais moi
accèdent à aucun compte. C'est les gens qui gèrent leur propre compte. Et d'ailleurs, on vous conseille de gérer votre propre compte et de ne pas laisser ça à d'autres personnes. On peut vous aider, on peut vous montrer, mais essayez de vous débrouiller tout seul parce que c'est important de savoir où se trouve votre argent et que vous puissiez le retrouver tout seul. On ne sait jamais ce qui peut arriver aux parrains ou voilà. Bon, les étapes simples pour devenir partenaire, c'est étape 1, s'inscrire dans le back-office, donc avoir un lien. Adressez-vous bien sûr à la personne qui vous a montré le projet, vous en a parlé en premier, c'est important. Pour les gens, des fois, ils viennent vers moi, et si je leur demande, vous êtes sûr que c'est moi qui vous en ai parlé en premier? Non, 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 c'est mon cousin. Va voir ton cousin, parce que c'est lui qui va te donner son lien d'inscription, c'est pas moi, d'accord? Moi, je m'occupe des gens qui n'ont personne, qui m'ont découvert sur mes publicités que j'ai payées personnellement, hein, ou mes posts que je fais moi-même. Mais si vous connaissez quelqu'un, vous en a parlé, voyez avec cette personne, c'est elle qui doit vous inscrire. Ouvrez la section documents de votre profil. Signer le contrat de partenariat. Vous pouvez aussi cliquer tout simplement sur pour les partenaires. Ça va s'afficher. Lisez-le quand même, le contrat de partenariat, parce qu'il y a quand même des choses importantes dedans. Notamment, tout ce qui concerne les taxes, les impôts dans votre pays, etc. Parce que, bien sûr, nul n'est censé ignorer les lois de votre pays, hein, de savoir que vous devez payer des impôts. Sauf si vous êtes dans un paradis fiscal. Et puis, vous devez commencer à agir. Parce que ça, c'est ce que beaucoup de gens ne font pas. Ils disent, j'ai rien compris. Le back-office, c'est joli, mais c'est compliqué. Et essayez peut-être de comprendre comment ça fonctionne. Cliquez un peu à droite, à gauche. Regardez comment il y a où il y a des documents. Téléchargez-les. Parlez-en un petit peu autour de vous. Voyez un peu les réactions. Voilà ce que je peux vous conseiller. Et à présent, ben, on va passer aux questions-réponses. Sachant que s'il y a des questions récurrentes, je n'y répondrai pas. Parce que il y a très souvent des questions qui reviennent, ou alors des questions qui sont hors sujet, du genre c'est quand qu'on aura les dividendes? Ben ça, c'est une question récurrente et on en parle quasiment à tous les webinaires. On le dit quasiment tout le temps sur les chats, sur les réseaux. Mais voilà, ça c'est pas le plus important parce que je voudrais répéter une fois de plus et on va enlever le partage pour que je puisse apparaître en grand sur l'écran. En réalité, vous allez gagner plus d'argent en faisant du partenariat et que d'attendre des dividendes. C'est mon avis. Ou alors vous avez vraiment des millions de parts sous la main et vous savez que vous allez gagner gros. Mais moi, je ne me fierai pas à ça. Pourquoi? Parce que, comme toute société, une société peut faire des bénéfices comme ne pas en faire. La société peut faire des bénéfices une année et l'année d'après ne pas en faire. Parce qu'elle a eu un coup dur, elle a dû investir de l'argent, il y a quelque chose qui a cassé, il y a, je sais pas, quelque chose qui s'est effondré. Enfin, c'est un exemple, d'accord? Je n'ai pas dit que ça allait arriver. C'est juste pour vous avertir qu'en fait, ce n'est pas forcément les dividendes qui vont vous rapporter beaucoup d'argent. Je peux vous garantir que c'est le partenariat qui va vous apporter de l'argent là, maintenant, chaque mois, chaque jour, chaque semaine. Et que ça va vous apporter plus d'argent que les dividendes que vous allez percevoir une fois par an. Parce que là, le partenariat, c'est chaque fois que quelqu'un paye que l'argent tombe. Donc, plus vous allez avoir de gens qui vont faire du partenariat avec vous, et plus vous allez gagner d'argent. Donc, si je puis me permettre, faites du partenariat. Et ne comptez pas que sur les dividendes et la bourse et tout, ces phrases que vous citez tous les jours. Et c'est quand la bourse, et c'est quand les dividendes, et c'est quand que si, et c'est quand que tu te mets au travail, c'est quand que tu commences à faire du partenariat, c'est quand que tu commences à gagner de l'argent avec le partenariat, c'est quand que tu commences à travailler, c'est quand que tu te lèves un peu plus tôt, c'est quand que tu vas commencer à promouvoir les projets. Vous voyez, moi aussi, je peux poser des questions. D'accord? Posez-vous ces questions-là et pas les questions superflues qui n'ont pas de rapport avec ce qu'on parle ce soir.
Alors, je vais essayer de prendre les mille et une questions qui sont dans le chat pour essayer de vous répondre. Alors, qu'est-ce qu'on a comme question? Alors, il y a beaucoup de salutations de la part de différents pays, bien sûr. On vous salue bien bas, on est bien content que vous soyez là. Voilà, bonjour, on est ravis d'être là. Nous aussi, on est ravis que vous soyez là. Parce que ça nous permet de vous donner des informations que vous attendiez, des choses qu'on n'avait peut-être jamais entendues, etc. Félicitations à tous les nouveaux représentants. Ouais, je vois même pas de questions. Il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions, donc c'est bien. S'il n'y a pas de questions, ben c'est bien. Ça veut dire que vous avez compris beaucoup de choses. Mettez-vous au travail. Mettez-vous au travail. Même si c'est dur. On sait que c'est dur. Personne n'a jamais. Moi, personnellement, j'ai jamais dit que c'était pas dur. J'ai dit que vous devez persévérer. C'est pas la même chose. Comprenez bien que c'est dans votre propre intérêt que je dis ça. Pas pour le mien. Moi, j'ai déjà fait le travail. Moi, j'ai déjà fait le travail. Je pourrais m'arrêter. Je ne m'arrête pas parce qu'il faut toujours persévérer. Il ne faut pas croire que tout est toujours acquis. Pas parce que vous avez deux filleuls. Je suis. Alors, on a une question. Je suis en RDC, donc République démocratique du Congo, je précise, hein. Mon pays n'est pas accepté par le projet Solar Group, c'est vrai. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Nous avons 194 pays. Et comment ça, on n'est pas accepté par le projet? Non, si vous parlez de représentation dans votre pays, ce n'est pas que vous n'êtes pas accepté, c'est que simplement vous n'avez pas assez d'investisseurs dans votre pays. Ce n'est pas la même chose. Vous comprenez? Il faut vous démener. Il faut avoir pas trois personnes, il faut avoir 1000 personnes, pas trois. D'accord? C'est pas suffisant. Peut-être que les gens ne croient pas, ou n'ont pas la foi, ou je sais pas. Non. Donc, il faut trouver les gens. D'accord? Alors, je remonte. Bon, ma question est de savoir à quand les dividendes sont commencés, en plus, quelles sont les différentes étapes de l'Osora que je suis au Burkina Faso. Vous voyez, en fait, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, alors que je vous ai dit que ce soir, le sujet, c'est le partenariat. Alors, monsieur du Burkina Faso, faites du partenariat et les dividendes, ce sera pour plus tard, d'accord? Quand on aura fait un an d'exercice comptable, pour l'instant, on n'a même pas démarré, on est à l'étape 19. Bientôt l'étape 20, donc du projet des moteurs D9, et nous sommes en phase de pré-lancement pour le projet des dirigeables de nouvelle génération. Donc, après l'étape de pré-lancement, il y aura l'étape 1 qui va arriver, et là, nous aurons un nouveau projet. Donc, en fait, vous voyez, il y a encore du chemin à faire. Parce qu'après, à l'étape 19, il y a l'étape 20. Et donc, voilà. Donc, une dividende, ce n'est pas pour tout de suite. Comptez au moins encore un an au-delà de l'autorisation de travailler. D'accord? On vous a dit que l'affiliation n'était pas obligatoire. Oui, oui, vous avez bien raison de le préciser. Oui, bien sûr. Ce n'est pas obligatoire, mais ça rapporte. Donc, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. C'est soit on veut s'asseoir sur une chaise et on a la patience d'attendre 7 ans, parce que nous, ça fait déjà 7 ans, hein, ceux qui ont déjà commencé à investir en 2018-2017, on a la patience. Et tout le monde n'a pas la patience d'attendre 7 ans. Donc non, c'est pas obligatoire. Mais c'est vivement conseillé, parce que la preuve, c'est que ceux qui trouvent le temps long, ben, ils posent toujours la même question. C'est quand les dividendes? Alors que s'ils pratiquaient du partenariat depuis des années, ils ne poseraient même pas la question parce qu'ils gagneraient déjà 10 fois ou 20 fois leur salaire et ils n'auraient même pas besoin de poser la question, c'est quand qu'on reçoit les dividendes. Parce que les gens sont intéressés par l'argent, mais ils ne sont pas intéressés par travailler. En fait, ils veulent avoir l'argent qui tombe, alléluia, du ciel. C'est tout. Donc, soit on veut gagner de l'argent rapidement et on travaille. Ou alors, ben, on ne fait rien, on attend. Et là, on doit avoir de la patience. Mais souvent, les gens qui investissent 100 dollars ou 250 dollars, c'est ceux qui devraient justement attendre 10 ans au moins pour avoir des gains en retour qui soient conséquents ou convenables.
Mais ces gens-là sont les plus pressés et c'est ceux qui ne veulent pas faire de partenariat. Pas méchant, hein, c'est juste un constat. C'est un constat. Oui, dans votre compte, on a mis client. Oui, vous êtes client si vous n'avez pas signé le contrat de partenariat. Parce que c'est un contrat en part, à part, parce que ce n'est pas obligatoire. Donc, vous cliquez sur pour les partenaires et vous faites du partenariat à partir du moment où vous avez signé le contrat de partenariat. Donc, avant, vous n'êtes pas partenaire, vous êtes un client. Vous êtes quelqu'un qui investit et vous avez le droit de juste investir et de ne rien faire d'autre. Monsieur Abdoul, vous voulez aller à Moscou, quelles sont les conditions? Ça coûte environ 2 millions de francs CFA, payer un voyage, et vous devez vous déplacer en Côte d'Ivoire pour faire une demande de visa. Donc, voilà. Et donc, il faut avoir un peu de sous-sous pour venir. Et à part ça, ben, voilà, vous pouvez voir avec la compagnie quelles sont les conditions. Pour venir, il faut avoir un visa. Et pour avoir un visa, ben, il faut avoir un peu d'argent parce que si vous voulez faire un visa de tourisme, par exemple, eh bien, vous devez montrer que vous avez de l'argent dans votre compte en banque parce qu'un touriste, ben, ça ne se déplace pas sans argent. Voilà. C'est un petit peu ce que je peux vous dire, même si ça vous paraît un peu décevant comme réponse. C'est une question d'argent avant tout. Avant tout. Et ensuite, une question d'accord des autorités russes qui sont absolument indépendantes de notre volonté, qui n'a absolument rien à voir avec cela. Bon, ça aussi, c'est un point à souligner. Comment récupérer les bonus du code promo annulé pour mon paiement temps son tempérament? Alors, depuis très longtemps, on a expliqué que si vous avez un pack annulé, en fait, on ne peut pas vous redonner les bonus, vous les avez perdus. Ça a été annoncé depuis longtemps et on ne les remettrait pas en place. Ça n'existe plus, vous n'avez plus possibilité, désolé, de rattraper. Ça a été annoncé depuis des mois en arrière. Et souvent, c'est parce que vous n'avez peut-être pas lu les informations et je vous invite à ce moment-là à lire les actualités, d'être dans un groupe officiel qui vous donne les informations et de tout lire du début à la fin, tous les jours. Voilà. Ma question était mal comprise. Je ne parle pas de l'argent, mais je parle du début de travaux de Solar Group. Alors ça, c'est fonction de la commission d'État qui, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, était en deux parties. La première, c'est la commission d'État qui délivre une autorisation suite à la construction du bâtiment, donc c'est-à-dire de dire si tout est conforme à la construction. Et la deuxième autorisation, c'est celle de dire qu'on a le droit de faire de l'exploitation en fonction du matériel qu'ils ont vu et qu'ils ont vu fonctionner et qu'ils peuvent démontrer que la société est apte à commencer à prendre des commandes. Donc, c'est deux choses différentes. Et ces deux choses différentes doivent être approuvées par une commission d'État. Donc, c'est des inspecteurs qui viennent et qui regardent, qui notent les choses à corriger. Et quand elles sont corrigées, ils repassent une deuxième fois ou une troisième fois. Et seulement après, ils délivrent un certificat et une autorisation. Et quand cette autorisation est donnée, il faut compter un an d'exercice comptable pour pouvoir faire un bilan et dire s'il y a des bénéfices en fait. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est une vraie société. C'est pas un truc fantôme où on vous dit du jour au lendemain, tiens, il y a de l'argent qui est là et c'est les autres qui l'ont payé. C'est pas vrai, c'est les seuls fruits de la vente, de commandes, de vente, oui, de commandes, de prise de commandes pour créer des moteurs auprès de clients de Sovelmash qui va faire qu'on pourra vous payer. Quand vous êtes inscrit comme client, est-ce que je peux être partenaire? Comment être partenaire? Je vous l'ai dit à l'instant, donc je vous le répète. Vous cliquez dans le menu sur pour les partenaires. C'est dans le menu, hein, les trois petits traits là en bas. Si vous êtes sur un smartphone, au milieu, le rond bleu, vous cliquez dessus. Et là, vous voyez, il y a écrit pour les partenaires, vous cliquez dessus. Et quand vous cliquez sur pour les partenaires, normalement, vous devriez avoir le contrat de partenariat qui s'affiche. Je vous invite à le lire, téléchargez.
et ensuite à le signer avec un bouton vert. Il y a marqué signer, cliquez dessus et vous allez avoir la possibilité de voir tout le reste dans le back-office qui concerne le partenariat. Les documents, le plan de rémunération, etc., etc. Voilà. Je vois que Barbara vous a donné des liens. J'espère avoir répondu à vos questions. Je vois qu'il y a une main qui est levée. Je ne donne pas le micro, pardon. Donc, si vous voulez poser votre question, voilà. Merci. Je pense que je vais un peu abréger parce que ça fait déjà un petit moment que je parle. Donc, ça fait déjà un petit moment. Et puis, on ne voudrait pas être trop long non plus. Il y a des fois des gens qui disent qu'ils veulent quitter parce qu'ils ont faim ou ils veulent faire autre chose. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de persévérance. Et je vous dis à bientôt, peut-être à lundi prochain, pour une nouvelle séance donc d'explication sur ce que nous faisons chez Solar Group. Excellente soirée. Merci d'avoir été avec moi et à très bientôt. Bye bye.